Bonjour à tous, bonjour à tous. Allez, je vais faire un petit suivi, petite analyse sur Cosmos. Cosmos, Atom. Atom USDT. Donc là, je suis en daily. Voilà, en daily. Donc on va regarder ici. Départ du prix. Zone de neutralité. Zone d'accumulation. Démarrage du prix le 20 décembre. Vers l'été 2020. Donc une hausse. D'accord, une hausse qui a créé ici un ATH en mai 2021. Et ensuite une chute comme toutes les cryptos en mai 2021 et le Bitcoin également. Donc également ici on avait eu une distribution ici qui s'est mise en place. Donc des slabs cette chute. BCAR, ST, SO, UT, UTAD. D'accord, BC, UT, UTAD. Et on a eu une chute ici. Et ensuite on a eu une zone d'accumulation qui s'est mise en place. Dans cette zone-là, entre mai 2021 jusqu'à juillet 2021, où on a une hausse des altcoins à partir de juillet 2021. Donc là, cette zone d'accumulation était très 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 décelable. Donc SCARST, STB, test, et ensuite il est parti. Schématique 2 d'accu, on n'a pas fait le spring. Donc liquidité ici en attente. Donc je la marque, je la mets en attente. Hausse ici de Cosmos. Nous a fait un nouvel ATH avec une hausse ici par rapport au STB de pratiquement 475%. Ok. Donc ensuite, il nous a créé ici un arrêt de la tendance haussière. Pas de nouveau plus haut. BC, AR, automatique rally, ST ici. Très belle schématique, très propre, très lisible. Dans cette distribution, excusez-moi, dans cette distribution, nous avons également une autre distribution. Donc distrib dans distrib. Donc si je regarde la grosse distrib en jaune, BCARST, le saut pour moi il vient ici. Donc la ligne des 50 elle est là. Donc il viendra sur la ligne des 50 en zone discount. Là on est en zone premium, full premium. Donc reviendra ici respirer dans cette zone-là. Et en plus j'ai une bougie qui m'indique ici une bougie et un déséquilibre de marché ici qui peut être bien sûr comblé ici. Donc j'ai une information capitale qui me donne ce niveau-là. Ensuite, j'ai tracé ici par rapport à cette baisse et cette hausse. Si attendez, avant on va faire cette baisse et cette hausse. Donc la A, la B. On va commencer par ça. Donc si je trace donc la continuité de tendance. Par rapport, je vais prendre un autre fibo. Allez, un autre fibo de continuité. Si je trace ici par rapport à l'ATH. Ok, ATH, cette zone-là. La vague A, remontée vague B. Ok. Remontée vague B ici. Ça me donne un 1,618 ici dans ma boîte. Et le 1,414 dans ma boîte. Donc ça me confirme que la continuité de tendance va aller vers ce niveau-là. Ok, rien n'est sûr, bien sûr, mais ça reste une confirmation. Ça veut dire que j'ai deux confirmations. Celle-ci au niveau des bougies japonaises, celle-ci au niveau de la continuité de tendance. Également ici, vague d'Elliott, A, B et C. Voilà, montée en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 vagues de hausse. Donc 5 vagues de hausse. Donc vague 1, 2, 3, corrective en 3. Donc là, c'est la grande A. Donc A, B, C. Grande A, B et C. Ok, donc je vois bien ici, donc Cosmos revenir dans cette zone-là de rechargement. Ensuite, donc là, j'ai donc bien sûr, ici, j'ai une distrib dans une distrib. Donc là, en H4, on va aller en H4 pour bien regarder. Donc là, j'ai un BC, un AR, un ST. Un saut ici. Donc j'attends ici pour moi la cassure. J'ai tracé ici mon Fibonacci de continuité de tendance. Baisse, hausse, retracement. Qui me donne un target ici au 1,618 à ce niveau-là sur la ligne des 50 daily. D'accord? Donc bien sûr, je me fie plus à la partie jaune que la bleue. Ok? Mais j'ai juste marqué la partie bleue comme ceci. Je la garde juste en tête comme ça. Mais ma plus importante. Et celle en jaune.
Car là, j'ai vu ici une descente, un arrêt de la tendance haussière ici, une hausse ici, boum, un arrêt, baissé, AR, ST, saut. D'accord? Voilà, déjà, il est descendu sous le AR ici, donc ça me valide le saut. Donc, logiquement, normalement, ici, on aura une hausse ici. Possibilité, bien sûr, qu'il vienne prendre la liquidité du BC qui est là. Et ensuite, une descente si on se base sur cette schématique bleue. Sinon, ça descend plus bas encore. D'accord? Ça descend plus bas ici. Et après, on verra une hausse après la prise de liquidité du AR ici et du saut qui est là. Ok, voilà ce que je vois sur Cosmos. Donc là, moi j'ai pris le sell ici sur le retest ici. D'accord, le retest là, j'ai pris le sell car c'était décelable. Ok, voilà sur ce pour Cosmos que je vois sur Atom. Donc attendre ici, zone de rechargement, on avisera au fur et à mesure du temps ce qui se passe. Voilà, sur ce, bisous à tous, bonne journée à tous. Voilà pour Cosmos et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye bye.